Mais imaginez le travail de l'artisan pour en faire un tapis aussi long quand même. C'est vrai, hein. Oh là 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 là. Ah, les catcheurs mexicains. Ah, nos préférés. Mais il me fait vraiment penser à un catcheur... Mais pourquoi tant de violence? Tu devrais garder tout ça pour le boss. Ron Howard. Hop là, j'ai retombé sur les pieds. Bon, tu veux te faire tout ça? Ouais, enfin... Bah je te laisse, hein, tu fais le malin. Surtout que là, il n'y a pas de coup de main, il n'y a pas de renfort. Hein. Ah, mais il gère Fred là avec... Il a trouvé la technique, ça me rappelle Golden Axe. Il a trouvé la tactique. Il utilise la même technique que dans Golden Axe. Par contre, si c'est le coup de pied réglé au millimètre, s'il se loupe, c'est foutu. D'ailleurs, tu te rappelles que Golden Axe et Street of Rage étaient tous les deux dans les... Yeah, dans les Mega Drive collection, je sais pas. Est-ce que je me suis pas gavé là quand même? Si, franchement. Quand t'as acheté la Mega Drive 2, tu avais Shinobi, Golden Axe et Street of Rage. Donc là, t'as le Shiryu noir, c'est le dragon noir celui-là. Ouais, qui veut pas venir. Ouais, si, regarde. Allez, tiens, je t'en sors un peu. Ça va, t'es pas resté tétraplégique là? C'est le mec qui se lève encore, là t'hallucines quoi. Ah, tiens, gardez-la pour plus tard si vous pouvez. Je pense la pomme, bah, ouais. Je vais la mettre dans ma poche. On va la garder pour 4 heures. Non, mais voilà, tu vois. Oh, il a fait mal. Par exemple. Dis-moi, c'est moi ou il a fait très très mal? Ah ouais, il t'a mis un coup de pied dans la bouche là. Bah, tiens, prends-la la pomme, encore là. Ouais, 5 fruits et légumes par jour, les enfants, n'oubliez pas. On a des dépêches depuis tout à l'heure. Les céréales, ça compte. On en distribue beaucoup surtout. Des pains, on distribue des pains. Des pêches. Tiens. Non, non, il est mort. Ouf. Oh, j'avais oublié qu'il y avait eux. Ah oui. Ça, j'avais oublié aussi. La tension ne diminue pas et la difficulté est bien dosée avec un rythme crescendo. Alors là ça va être chaud cacao. Ah ouais, ça les flics là... Si tu les enchaînes, ils bougent plus hein, ça t'arrive à bien les enchaîner. Si tu les défonces, ils meurent. Merci. Ah non, il est encore vivant. Ah, j'ai perdu. Et une barre de vie ça aurait été sympa là. Non. Non. Mais ouais mais c'est pas exprès en fait hein. Si, on t'a vu. J'en ai tué un déjà. Il te reste un continu, non? Ouais, deux. Ah, ça devrait le faire pour Mr. X. Oui. Eh ben. Facile. Oui, je fais les musiques, mais... Excusez-moi. Ouh, en blanc. Ah, en blanc. Ouh. C'est la chef, là. Ah oui, tiens. Je suis pas sûr qu'elle devrait porter du blanc, quand même. Ça tâche hein, avec le sang dans la bouche. Hein. Là, prends le rôti là. Non, c'est bon, tu peux le prendre. Je vais le prendre. Et toi, t'as 3 vies. Allez. Sur le plateau. Oh là là, mais Argol il fait tout. Il tabasse, il presse le sel, il renverse les assiettes. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en plus il a battu des boss tout seul. C'est pas vrai, voilà. Regarde, et t'as vu, je me mets même au milieu pour que tu me défonces. Ça s'appelle l'amitié, d'accord? Parce que Blaise, c'est une apprentie maîtresse et ça. Tiens, mange-toi ça! On va commencer avec la tenue en cuir. Oh là là, attention là! Ouais, parce que eux, ils m'ont l'air de faire méga fucking mal. Ouf! Joli! Voilà, Fred, il s'occupait des trois. Tiens, rebondis! En même temps, avec tout ce rouge dans la déco, tu m'étonnes que les méchants soient si nerveux. Oh! Ah. Mais on a pas oublié quelqu'un. Si, le chéri il en voulait encore, il est revenu. Tiens, aussi, tiens, mais je veux pas vous aider. Ah putain si, il manque un boss là. Et le voilà. Eh c'était les... Mais non, le boss c'était qui là? C'était pas le... Les femmes il restait. Les femmes là. Mona Lisa. Mais tais-toi. Allez, vas-y, casse-toi. On se fait une gueule à taper Mona Lisa. Mais attends, ça veut dire que Monsieur X, il y en a deux aussi? Non. Non, sinon ça aurait été X et Y. Comme Pokémon. Elles sont trop nombreuses, j'arrive pas à les différencier. Hey. Bien. Hop là. Oh mais, non, mais en plus tu t'es rattrapé, tu t'es bien envoyé. Oui à chaque fois mais... Ouais. Ah là par contre je crois... Ah ouais non là... Ouais, moi je peux moi. T'es rattrapé sur tes dents. Ouf. Ah d'accord, elle fait très mal. Tu te rappelles comment tu retombes sur tes pattes? Oui, c'est en haut et saut. Je suis mort. Oui, il y en a une qui est morte. Moi. Allez, voilà. Allez. Nous voici enfin devant le boss final, Mr. X. Plus de retour en arrière possible. Le destin de toute la ville est entre vos poings. Well, you found your way here, Walter. Vous avez réussi à venir jusqu'ici, est-ce que vous voulez devenir mon bras droit? Hey, je vois que tu as fait anglais en deuxième langue. Ah bah non. On doit répondre. Non, 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 non. Maintenant? Pourquoi? C'est quoi la meilleure fin? Moi je veux le combattre, je veux pas te combattre toi. Parce que je savais qu'il y avait cette technique. S'il y en a un qui dit oui et l'autre qui dit non, on doit s'affronter. Ouais. Et après il repose la question à celui qui survit. D'accord, donc non. Si on met oui tous les deux, ouais. Il nous renvoie au niveau 6. On met non. On a le temps, tu me diras. Non, on met non. Alors on met non. Et c'est bon. Et on le défonce. Allez, c'est bon. Tu veux vraiment mourir donc? Oui. Et bah il va être content de le faire, de te tuer. Voilà. D'abord, il faut friter quelques coups. Ah bah bien entendu. Bah oui, il a trop de retraite à payer. Il est sur un plan social. Hop, il amène encore quelqu'un et après c'est bon. Oh là 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 là. C'est moi ou les méchants, les boss dans ce jeu étaient touchés par le mutagène, ils font 14 000 mètres. Non, parce que, en fait c'est nous qui sommes des nains. Non, ils sont à la NBA en fait. Oh, le coup de crosse, ça fait mal. La preuve. Alors par contre, lui, il a le droit d'utiliser une arme. C'est même ici. Ouais, c'est pas le premier, hein, tu sais, dans ce syndicat-là. Et comme disait Hom, il y a deux fins dans le jeu. Oui, enfin il y en a même 4 en tout, parce que tu peux prendre sa place, la place de Mr. X avec chacun des 3 persos. Oui. Genre en fait il y a une bonne fin, une fin mauvaise. Très très mal Mr. X, hein. Ouais. Mais oui, il fait très très mal effectivement, puisque j'utilise mon dernier continu. Hein. Ah oui, il fait hyper mal même je dirais. Ah oui, quand même. Ouais mais il est presque mort quand même. Ouais. Et là c'est Fred qui a tué. Bien. Ah ouais d'accord. Dernière vie pour Fred. Waouh. Il en reste encore un continu. Ouais. Mais wow, il enlève la moitié. Pas Argol par contre. Bah ça c'est un sacré coup de crosse quand même. Hein. Ça y est. Yes. Et il balance toutes ses douilles par terre. Ramasse-les, ramasse-les, c'est des anneaux, c'est Sonic. Tiens, mange-toi ça. Non, non, ouais, c'est pour fêter la victoire. Oui, si on se fracassait la bouche. Et ben voilà. C'est bon? Bah je pense, hein. Oui. On a fini? Bah oui. Oh pétard. Attends, on va voir la... Ah, bah, à la fin on la verra... Bah oui, on va la laisser tourner, on va la laisser tourner. Argol, merci. Donc mais ça voudrait dire que nous avons fait une nouvelle émission, nouvelle monture, nouveau format pour 360 minutes pour survivre. Eh bien, on a terminé Street of Rage 1. Bon, c'est un jeu auquel on a joué quand on était jeune quand même. Hein. On a torché ça, mais c'est quand même la surprise. Et effectivement, ça fait bien plaisir de le finir avec tous les assistants aujourd'hui. Merci Argol, merci Hom, merci Reldrick, enfin le nouveau venu, merci Jorus. Et puis merci à vous tous de nous regarder failler pendant ces émissions de 360 minutes pour survivre. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. On va rester sur cette fin et sur ce succès, je suis heureux. Et à très très bientôt, voilà, pour une nouvelle émission de 360 minutes, ou pour tout du moins un nouvel épisode maintenant de 360 minutes pour survivre. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.